très très grave. La guerre civile des mages à Arethusa s'est soudainement arrêtée. Tous les mages les plus puissants de cette nation sont partis je ne sais où, ou je ne sais quand et je ne sais pourquoi. Un rapport qui a été fait par l'un de nos espions dit qu'un nouveau clan voit le jour. Un clan censé faire prospérer l'égalité parmi les hommes, les races, les classes, les sexes, et j'en passe. On nous dit que c'est à cause d'un homme aux cheveux rouges dont on ne connaît pas le nom et qui est un puissant mage de feu. Comment ça? Un nouveau clan voit le jour? Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Comment se fait-il que je n'ai jamais eu vent de cette nouvelle? À vrai dire, personne n'était au courant de l'existence de ce clan. On ne l'a découvert que récemment. Et aucune de vos troupes n'a été capable de trouver ce clan? Avant cela aurait été largement possible. Mais dorénavant, avec l'aide et le soutien des mages, il se pourrait qu'ils aient réussi à extrêmement bien cacher leur base. Et il se pourrait que ce soit dorénavant impossible de les retracer. Rappelez-moi pourquoi vous êtes des sous-chefs. Ah oui, car vous êtes censés être les plus puissants et les plus futés du continent. Et là, qu'avez-vous de plus que les autres? Vous êtes des ratés, comme tout ce peuple de mortels. Nous ne sommes pas des ratés. Je vous rappelle que c'est grâce à nous que ce clan marche et... Ce n'est pas grâce à vous, mais grâce au talent d'élocution de votre ancienne collègue. Qui n'est plus des nôtres, FG. Je vous rappelle qu'avant qu'FG arrive, le clan marchait. Il marchait, oui, mais en boitant, à vrai dire. Vous êtes vraiment des incapables. Vous ne faites que vous plaindre sans cesse, et nos armées ne deviennent en aucun cas plus puissantes de jour en jour. Il se peut que nous soyons assez submergés par le nombre de nouvelles recrues et... Je me fiche bien de savoir combien de nouvelles recrues nous possédons. Le plus important est la force qu'ils possèdent. Si nous possédons la plus grande armée, mais qu'ils sont tous faibles comme des nouveau-nés, cela ne nous avancera à rien. Mais nous? Nous sommes plus puissants que ces soldats, n'est-ce pas? Plus puissants, oui, mais plus utiles, non. Et vous? Vous pensez utile, vous? Votre majesté? Bien plus utile que vous. C'est moi qui vais régner sur ce monde. Sauf si vous partez aux cieux avant. Tu veux prendre ma place, ma chère Mix? Très bien. Alors essaie pour voir. Capable, hein? Mais que crois-tu? Penses-tu que ce soit aussi facile de tuer un dieu? Un dieu qui a vu défiler plusieurs siècles alors qu'il n'existait même pas. Un dieu qui a vécu des centaines de guerres. Que crois-tu? Les dieux ne sont pas enfermés depuis 15 ans dans une prison grâce à mes talents de séduction, mais bien grâce à ma force. La force que tu n'as pas. Tu es mignonne, Mix, adorable, mais avide de pouvoir. Tout comme moi. Sais-tu alors quelle est la différence entre toi et moi? Moi, je gagne toujours. Toi, la seule chose que tu vas gagner, c'est une place en enfer. Non, je... Promis, je... Je m'excuse. Plus jamais. Plus jamais je ne ferai ça. Stop! Arrêtez! Vous me faites trop mal, stop! C'est horrible! Mix, t'excuses? C'est une grande première. Dommage, ce sera la dernière fois. Et tu as mal? Oh, c'est normal, tu sais. Je t'enlève toute la magie noire qui est en toi, et tous tes pouvoirs, pour que je puisse mieux les assimiler, et ainsi devenir encore plus puissant. Ça fait mal, hein? Alors prends-y goût, car tu vas souffrir encore plus dans le delà. Je vous en supplie. Stop! Un dernier mot avant de faire tes adieux, ma très chère? Sachez une chose. FG. Elle va revenir. Et c'est elle qui va gagner la guerre. Espèce de fils de pute. Il faudra déjà que FG puisse revenir ici. Sachez une chose, vous autres. Vous n'êtes rien pour moi. Rien. Vous n'êtes que des fourmis que je peux écraser en un seul instant. Tout comme Mix. Aucun de vous n'aura la force ou le pouvoir d'essayer de me tuer. Car vous n'êtes que des serviteurs à mon service. De simples chiens exécutant mes ordres. Alors je vous conseille une bonne chose. Quand je vous donne un ordre, vous l'exécutez. Sinon, vous finirez comme Mix et mourrez dans d'atroces souffrances. Je vous le reprécise bien, histoire que vous ayez tous bien assimilé. Vous n'êtes que de simples soldats pour moi, car je suis le plus puissant ici. Alors n'oubliez jamais, décevez-moi encore une fois, rien qu'une fois, et c'est votre tête qui siégera au bout de mon épée. On te suit, on te traque, on te voit, on te surveille. Tu ne peux pas échapper à ton destin, tu le vois bien. Alors viens avec les miens.
Le feu éclairera ton chemin. L'eau noiera tes peurs. Le tonnerre t'aidera à t'endormir. Et la nature t'enseignera la liberté. Menteur, menteur, menteur! Tu me promets un destin idyllique alors que ce n'est qu'une mare de sang. Les tiens sont seulement capables de suivre les ordres et de terrasser la population au nom d'un dieu corrompu. Le feu brûle mon âme, l'eau noie mes espérances, le tonnerre foudroie ma raison, et la nature étouffe mes pensées. Assez! Il te menace, n'est-ce pas? Oui. Tant mieux. Cela veut dire qu'il te craint, car il sait que tu es capable de retourner la situation. Et tu m'as bien montré il y a 4 mois ce que tu voulais faire. Très bonne idée, l'histoire de la plus mélangée à une potion d'inversement. Tout le monde n'y a vu que du feu. Sauf les astres, je suppose. Malheureusement, oui. Ils sont trop imprégnés de magie noire et trop endoctrinés. On ne peut pas les sortir de là. Je suis sûr que l'on peut. Si j'ai réussi, ils peuvent tout aussi bien le faire. Tu es une héroïne dans ce monde, Abjé. Tu as pu t'en sortir grâce à ta volonté et à ta raison qui est différente des autres. Tu en veux. Tu veux sortir de ce monde, de ce chaos sans nom. Voilà ce qui fait de toi une héroïne. Tu ne penses pas à toi en priorité, mais aux autres. Les héros n'ont jamais de début heureux. Certains n'ont même pas de fin heureuse. Mais ils donnent des fins heureuses aux gens qu'ils sauvent. Tout comme toi. Je devrais te laisser continuer de dormir. Je doute que tes 4 mois de sommeil t'aient redonné toutes tes forces. Pardon ? Je dors depuis 4 mois ? Vu le sort que tu as fait, tu devrais être plutôt plongé dans un sommeil éternel. Eh bien, je ne le suis pas. Et je ne suis pas prête de l'être. Corvo ? Ouais ? Tu comptes faire quoi maintenant que plus personne ne prête attention à moi et que tout le monde m'ait oublié ? Essayer de rallier tous les pays entre eux. Depuis que ton sort a fonctionné il y a 2 mois, certains pays ont déjà noué des alliances entre eux, comprenant qu'ils devaient se soutenir. Mais maintenant, il nous faut le poids du monde entier, face aux Astos. Rallier le monde entier ? Déjà que c'est compliqué de rassembler toute une ville de notre côté, mais alors toutes les nations ? Cela prendra le temps qu'il faut. Sauf si les Astos attaquent avant. Il faut faire oublier au monde un instant les différences entre les races, les classes, les nationalités ou autres. Il faut que nous formions plus qu'un, tous unis contre ces oppresseurs. Nous aurons le temps de parler de ça demain pendant le conseil. Je te présenterai en tant que chef de guerre auprès des autres commandants. À propos, comment tu as fait pour ne pas oublier, toi ? Panoramix nous a expliqué ce que tu voulais faire. Et il nous donnait une potion afin d'éviter que l'on oublie tes actes. Il est intelligent malgré son grand âge. Tu comprends maintenant pourquoi c'est un de mes conseillers les plus fidèles. Si tu le croises, remercie-le encore de ma part. Il a ma reconnaissance éternelle. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je pensais à un truc. Écoute, je voulais te dire quelque chose depuis pas mal de temps. Je sais que les années ont passé, je sais que mes actes ont dû affecter ton avis à mon égard, mais au fond je suis restée la même, Corvo. Tu n'as pas, ou du moins, plus à avoir peur de moi. Tu n'es plus la même qu'avant, FG. Si, je te l'assure, Tu es plus mature qu'avant. Tu as grandi. Tu deviens une vraie héroïne dans ce monde. FG. Corvo, Si tu crois que ce que je te dis sont des avances à ton égard, tu te trompes. Tu me rassures. Mais alors pourquoi ? Pourquoi je te dis ça ? Panoramix m'a expliqué que tu étais une héroïne et que cela fait plusieurs années que les astres parlent de toi. Tu as une place importante ici dorénavant. Je ne m'en étais pas rendu compte la première fois que je t'ai rencontré. Je pensais que tu étais une personne banale. Mais en y réfléchissant, tout prend son sens maintenant. Tu es l'une des seules personnes à s'être téléportée dans notre monde. Et tu es l'une des seules à posséder des pouvoirs si puissants. Cela peut paraître stupide, mais lorsque Meriola est décédée, je ne croyais plus en rien. Panoramix m'a aidé à fonder ce clan de rebelles et m'a motivé à le développer, mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais plus. Et je vais peut-être passer pour un faible, mais Meriola était tout pour moi. Tout. Jamais de ma vie je ne pensais la perdre. Je me sentais comme immortel à ses côtés, pouvant braver tous les dangers sans penser aux répercussions que cela pouvait avoir. Mais quand nous nous sommes fait attaquer, je n'ai pu l'aider. Elle m'a forcé à aider les soldats à la laisser se débrouiller seule. Cette fois-ci, je l'ai écoutée et je n'aurais pas dû. Depuis, j'ai plongé dans un monde sans lumière, terrifié par tout ce qui m'entourait. J'étais englué dans ce désarroi qui m'entourait. Je voulais sortir de ce monde de là, mais je manquais de motivation sans elle. Et quand j'ai entendu parler de ton retour dans notre monde, j'espérais chaque jour que tu reviendrais dans la bonne direction. En vain. Tout ce qui se passait autour de moi partait en poussière. Tu poussais les pays à se battre entre eux et à se rebeller face au gouvernement provisoire dans le but de recueillir de plus en plus d'adeptes à votre clan. Malgré le fait que tout le monde remarquait que les Astos, ton ancien clan, étaient au service d'une magie noire, toutes les personnes aux idées sombres vous ont rejoint. Et les plus pauvres d'entre eux qui n'avaient plus d'espoir les ont suivis.
Je te voyais plonger dans les ténèbres, mais je ne pouvais rien faire pour toi. Et tout ce que j'étais capable de faire était de me lamenter sur mon propre sort, en pensant qu'un jour, moi aussi, j'allais te rejoindre dans cette obscurité sans fin. Puis, quand j'ai appris que toi, Edouard et Lucas avaient été retrouvés sains et saufs malgré vos blessures en plein milieu d'une plaine, je me suis dit que tout cela n'était pas fini, que tous mes efforts afin de relever ce monde n'étaient pas vains. Et j'étais sûr que tu allais à un moment ou l'autre repasser de mon côté. Peut-être dans plusieurs semaines, mois, années, peu importe, mais je savais que tu allais revenir pour nous sauver. Tu parles comme si ce monde était sauvé, alors que nous en sommes loin, très loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer comme tu l'as fait, Corvo. Les soldats attendent de la part de leur commandant qu'il soit là pour eux, qu'il soit là afin de les rassurer, qu'il soit là afin d'éclairer leur chemin et de leur donner une bonne raison pour se battre. Corvo, si ce groupe que tu as formé est toujours vivant aujourd'hui, c'est grâce à toi et à ta motivation. Peu importe ce qu'il t'arrive, promets-moi que tu ne lâcheras rien. C'est ce que notre cher ami en commun m'avait dit avant qu'il se fasse assassiner. Et je n'ai pas écouté ses conseils à temps. Alors ne fais pas la même faute que moi. Plus jamais. Je ne compte plus jamais baisser les bras. S'il le faut, j'avancerai seul face au danger qui m'entoure et qui m'oppresse. Jusqu'à y laisser mon dernier soupir en ce bas monde. Mais au moins, je saurai que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et qu'un jour, même si on ne se souvient plus de moi, on saura que des personnes comme toi et moi se sont battues pour la liberté. Repose-toi, FG. A tout à l'heure, Corvo. FG ? Oui ? Promets-moi une chose. Quoi ? Ne change jamais. Bouh ! Allez là, cligne des yeux ! Non, j'ai pas envie de perdre. C'est pas drôle. Je ne suis pas là pour être drôle, je suis là pour t'entraîner. Mais je suis pas capable de me battre à l'arc. Tout ce que je sais faire, c'est bibidi bobidi oup et hop, c'est bon, je crée des boules de feu. Que ? Laisse tomber. Hey Ario, comment ça va ? Lui, c'est Adri, un supposé ami de FG qui vient de l'autre monde, tout comme ta maîtresse. Mais c'est aussi un grand mage de feu. Et un grand guerrier d'épée lourde. What the fuck ? Pourquoi tu parles à un oslo comme si c'était un chien, toi ? Ce n'est pas un simple animal, mais c'est l'Anilia d'FG. À quoi ? C'est assez long à expliquer. De toute façon, je suis kiblo avec toi pour ce foutu entraînement. Alors, quitte à m'entraîner, autant savoir comment bien demander. Hein ? Bander mon arc ! Laisse-moi finir ma phrase. Donc, oui, je disais, quitte à m'entraîner à savoir comment bien bander mon arc avec toi, on pourrait discuter un peu, non ? Je veux bien, mais... Ah, bon bah salut, Ario. Comment de 1 gagner la confiance de tous les peuples, de 2 les allier tous ensemble, de 3 les intégrer à... Ouvre-moi, faut qu'on parle. Oui, mais tu aurais pu me parler par télépathie comme tu viens de le faire. Alors mon petit bonhomme, t'as fait quoi de beau aujourd'hui ? Appelle-moi encore petit bonhomme, et je te jure que je dépose un cadavre d'écureuil sur ton oreiller. Mais dis donc, à ce que je vois, il s'est levé du pied gauche ce matin, il a sautillé longtemps dessus. Adri est là. Comment ça ? Adri est là. Adri s'entraîne avec Raigal, à l'arc en ce moment même. Adri est dans l'autre monde, c'est impossible. Et d'autre part, comment tu sais que j'ai un ami qui s'appelle Adri ? Numéro 1, je te rappelle que je partage les mêmes pensées, et donc la même mémoire que toi. Numéro 2, je t'assure qu'il est là. Oui, oui, en attendant, je dois aller manger. Allez, viens, monsieur Ario le mytho. Tant pis pour toi, mais ne fais pas un arrêt cardiaque si tu le croises. Oh loulou, je n'ai pas vu Adri manger à la cafétéria aujourd'hui. Il est peut-être invisible. Je sais ce que je dis. Maintenant, laisse-moi dormir, je digère. Franchement, Ario, tu ne sais ni mentir, ni faire de bonnes blagues. Arrête de me parler par la pensée et laisse-moi dormir. Puisque tu ne me crois pas, laisse-moi faire ma sieste en paix. Oui, oui, allez, c'est ça. Bonne nuit. Il faudrait que je me dépêche. Je vais être en retard pour le conseil. Mets-toi à notre place. Nous n'étions pas sûrs de qui tu étais et quelle était ta relation avec elle. Maintenant que nous sommes sûrs de ton identité, nous pouvons lui dire. Mais pas tout de suite. Je vous rappelle qu'elle vient de sortir du coma. Il faudrait qu'elle se repose pendant un temps. Un choc émotionnel trop fort ne ferait qu'aggraver son état de santé. Elle sera contente d'apprendre qu'il est là, et en vie. Cela ne va pas trop la perturber. Mais elle risque de le prendre mal tout aussi bien.
Mal? Parce qu'elle le prendrait mal. On se connaît par cœur tous les deux. Et je serai là pour elle, et... Adrie? Gouégé! Comment ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Adrie? Tout le monde dehors, sauf Adrie! Mais je... Maintenant! Eh bien, quel caractère! Ah là là, les femmes. Si tu me sors une réflexion sexiste de ce type, je te jure que je te frappe. Oui, chef! Bon, au final, on fait quoi? Car pour l'instant, notre salle de conseil est en train de se convertir en ring de boxe. Je ne l'espère pas. Moi non plus. Sinon, Adrie va se faire éclater. Ah! Ah, non! Moi, je pensais plus à la tapisserie qui risque d'être abîmée. Vous comptez rester ici comme des statues tout le long? Bah, il faut bien s'assurer que ça ne dégénère pas. Et puis, FG et Adrie ne savent pas qu'on les écoute. Et s'ils l'apprennent? Ah bah là, on aura tout intérêt à battre le record du monde de sprint. Mais j'y crois pas! Mais qu'est-ce que... Comment... Pourquoi t'es là? T'es pas contente? Mais bien sûr que non! Je pensais que... Mais bordel, Adrie! Ce monde est en pleine guerre mondiale et toi tu débarques maintenant! Mais tu te rends compte du danger auquel tu t'exposes? Heureusement que tu n'es pas connue, car si... Ne me dis pas avec ta tête de rose que tu t'es fait connaître de façon ridicule. Merci pour la comparaison avec une rose. On me dit souvent que les piques que j'envoie à mes ennemis font mal, c'est vrai. Outre ce fait, je me suis bien fait connaître en tant que nouveau meneur de la classe des mages. Tu ne sais même pas faire de la magie. Ça, c'est ce que tu penses. Aura de quelle couleur, monsieur le petit malin? Bleu clair. Quoi? Jalouse? Pour une de mes déesses, ça doit être honteux de se faire dépasser. Tu le sais? T'as dormi pendant 4 mois, j'ai appris beaucoup de choses dans ce monde et comment ça se passe. Je suis pas si ignorant que ça, tu sais. Je connais les risques de ce monde. Et grâce à ce que tu me racontais jour et nuit sur les mondes fantastiques à l'époque, j'ai vite compris. Parce que tu m'écoutais. C'est pas parce que je te disais que ce que tu me racontais était nul que ça veut dire que je le pensais. D'accord. Tu es fort et tu connais bien ce monde. Tant mieux pour toi. Mais tu ne te rends pas compte de la dangerosité de la chose. Bien sûr que si. Je te rappelle que je suis dans en partie du conseil. Non mais c'est pas possible. T'inquiète pas, FG, tout ira bien. Essaie de me comprendre! Si tu fais partie du conseil, tu es dorénavant une des cibles pour tous nos opposants. Nous ne sommes dorénavant pas assez protégés pour pouvoir repérer et éviter tous les espions ou assassins. En parlant d'espions, il y en a qui voudraient nous parler. C'est donc pourquoi on voulait faire cette réunion. Je viens ici pour vous parler, au nom de la nation d'Égypte. Comme vous le savez ou non, Cléopâtre a été empoisonnée. Et elle m'a confié une mission juste avant sa mort. Je devais vous parler. Vous n'êtes donc pas un espion, mais un messager ou un porte-parole, non? Cela fait quand même 3 mois que j'essaie de récolter des infos au sujet de ce clan. Et tous vos efforts ont été vains? À vrai dire, oui. C'est extrêmement bien gardé par ici. Malgré le peu de soldats que vous avez, vous réussissez à bien organiser vos troupes, et à bien préserver votre avis sur cette guerre. Alors, effectivement, et pour le bien de nos deux pays, je me dois de venir vous voir et de vous parler de l'avenir du monde. Qui est le représentant de ce clan ici? Pour l'instant, nous n'avons aucun représentant pour ce clan. Eh bien, comment faites-vous pour diriger ce clan alors? Je suppose que vous êtes tous soit des alliés, soit des personnes assez haut gradées. Mais il vous faut quelqu'un pour diriger. Le peuple de notre clan peut tout aussi bien s'organiser seul, sans l'aide de tyrans proclamant des lois pour eux. Bien sûr, je le conçois aisément. Mais il vous faut une personne, que ce soit un conseiller, un porte-parole officiel ou un chef de clan, afin de converser au mieux avec les autres. Après, ce ne sont que des conseils. FG. FG, elle est la représentante et la chef de ce clan. FG, c'est elle. C'est FG. Pardon? Qu'est-ce que... Vous avez l'air de bien vous entendre entre Raegal et toi, je me trompe? Ouais, c'est un bon pote. Ouais, un pote. Can't you hear it now?